Merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je suis toujours présidente de la commission spécialisée sur les risques environnementaux pour la santé et actuellement nous sommes en train d'évaluer d'ailleurs l'ensemble des plans nationaux santé-environnement, dont en particulier ce qu'ont pu apporter les actions qui portaient sur la qualité de l'air dans la réduction qu'on verra de cette pollution atmosphérique en France. Alors, pour commencer, voilà, je vais d'abord, alors, excusez-moi, là, voilà. Donc, dans le plan de l'exposé que je vais vous présenter, donc, je vais d'abord replacer ces PM2.5, mais vous venez d'avoir une présentation très, très détaillée de ce qu'elles sont avec Gilles Forêt, hein, que je remercie d'ailleurs parce que j'étais très contente de voir que le concept d'utilisation du stress oxydant pour la mesure des particules atmosphériques PM10, PM2.5 avait été repris. Je me rappelle d'avoir participé à Londres il y a presque 15-20 ans à un séminaire international où on proposait déjà de développer ce type de mesure. Et je vois que ça avance de façon tout à fait importante. D'ailleurs, je sais que celle qui m'a succédé à la direction du laboratoire, Armelle Baeza, participe à ces études-là. Alors, donc, je vais replacer quand même les PM2.5 dans l'ensemble des composants qui correspondent à la pollution atmosphérique. Ensuite, je vais voir quels sont les effets sanitaires de ces PM2.5 et surtout leurs mécanismes d'action. On en a déjà un petit peu parlé, là, tout de suite, mais plus en détail sur le plan de la biologie. Et puis, j'ai proposé de prendre un exemple précis d'interaction entre la pandémie actuelle, Covid-19, et ces particules. Il y a eu des controverses importantes qui se sont passées, en particulier enfin, dans la première phase de la pandémie. Est-ce que la pollution atmosphérique et ces PM2.5 ont joué ou pas un rôle? On va voir ce qu'on en sait actuellement. Alors, tout d'abord, bon, ben, vous avez vu donc, quelles sont les sources de ces particules, les sources naturelles, je ne vais pas y revenir, les sources anthropiques. On pense toujours au transport, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le résidentiel, c'est-à-dire le chauffage en particulier, chauffage individuel, chauffage urbain, il y a les usines et puis l'agriculture qu'on a vu tout à l'heure. Et tout cela, ce sont les sources des particules dites particules primaires, où on a toute une gamme de tailles, dont les plus fines que Gilles Forêt vous a présentées tout à l'heure. Hein. Et puis les particules secondaires, mais bien sûr, dans les polluants atmosphériques, on a aussi les gaz, et il ne faut surtout pas les oublier, parce que en fait, donc c'est un ensemble qu'on respire, et l'impact qui va s'effectuer sur la santé des individus, donc en fonction de la pollution, c'est l'ensemble, hein, bien sûr, et en particulier ces gaz que sont les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles, dioxyde de soufre, voilà. Alors, en fait, comme ça a été dit tout à l'heure, les polluants atmosphériques sont mesurés régulièrement par les ASCA. Alors, les ASCA, ce sont des associations qui permettent, enfin, qui ont pour vocation de mesurer journellement la qualité de l'air en France. Il y en a dans toutes les régions, en Île-de-France et à Paris. Et en particulier, elles doivent mesurer ce qu'on appelle les polluants réglementés, que vous voyez ici, hein, dans lesquels on va trouver les particules PM10, PM2.5. Et la mesure des PM2.5 est devenue obligatoire en Europe, puisque ces polluants réglementés, en fait, sont réglementés au niveau de l'Europe et ensuite traduits en termes en termes réglementaires dans les différents pays membres. Donc, les PM2.5 sont réglementés seulement depuis le début de l'année, hein. Et donc, c'est cet ensemble qui va servir à calculer l'indice ATMO qui a été changé depuis le début de l'année à cause de cette introduction des PM2.5. Et c'est lui qui est en fait diffusé tous les jours pour dire si la qualité de l'air est bonne
ou très mauvaise. Hein. Selon les cas, il y a 6 en fait, niveaux d'évaluation pour cet indice ATMO. Donc, autre point important, ça a été déjà dit par Gilles tout à l'heure, mais il y a en fait de très grosses différences au niveau international en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Et ici, c'est pour les PM2.5, alors plus c'est rouge jusqu'au rouge très foncé, plus c'est pollué, plus c'est bleu jusqu'au vert, plus la pollution est faible. Et on voit que bon, les zones les plus polluées, eh bien, c'est la Chine en particulier, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, et on a vu en particulier ces derniers temps à quel point le nord de l'Inde était extrêmement pollué, en particulier New Delhi. Et puis l'Europe, finalement, n'est pas si polluée que ça. Vous voyez qu'on est entre le moyen et faible. Donc, une très grande différence en ce qui concerne la pollution au niveau international. Ce que j'ai voulu aussi vous montrer, c'est que malgré tout, avec les, on a fait beaucoup d'efforts pour diminuer la pollution de l'air en France et en France métropolitaine. Et on le voit là pour les PM2.5. Vous avez beaucoup d'informations sur le site du CITEPA qui mesure en fait les émissions de façon aussi tout à fait régulière et permet d'avoir une idée de ce qui concerne la pollution de l'air. Tous les polluants qu'on vient de voir sont mesurés régulièrement en ce qui concerne les émissions par le CITEPA. Et on voit très bien ici que pour les PM2.5, alors pour l'agriculture, on a une petite diminution, c'est en vert, mais pas tant que ça. Ensuite, vous avez la transformation énergétique. On a surtout des centrales nucléaires, donc on voit quand même que là, il n'y a pas, effectivement, ce n'est pas ça qui apporte le plus de particules de PM2.5. Ici, l'industrie manufacturée qui est en bleu outre-mer, on va dire. Et ce qui a surtout diminué, eh bien, c'est le résidentiel tertiaire, essentiellement donc tout ce qui est chauffage urbain, chauffage individuel en grisé, et le transport qui est en violet ici. Vous voyez quand même une diminution entre 1990 et 2018, qui veut dire que malgré tout, les actions qui sont menées permettent de diminuer la pollution atmosphérique. Et ça a été montré également dans la dernière étude, qui utilise d'ailleurs les modèles chimères qui ont été présentés par Gilles Forest. La dernière étude de Santé publique France, qui a été présentée au début de la semaine dernière, hein, et où on voit que, eh bien, entre 2016 et 2019, plus c'est rouge, plus c'est pollué par les PM2.5, eh bien, il y a eu aussi une diminution. Et ce qui s'est traduit d'ailleurs par le fait qu'il y a une diminution des impacts sanitaires. Alors, tout d'abord, rapidement, hein, comment est venue l'idée qu'il y avait une relation entre la pollution atmosphérique et la santé? On le date, en fait, au début de la deuxième moitié du XXe siècle, et en particulier ce qu'on appelle le Great Smog à Londres, mais il y a eu d'autres épisodes le long de la Meuse, par exemple, tout à fait équivalents, où on a pu montrer en décembre 1952 une association très forte entre le nombre de décès et des pics de pollution très importants avec ce brouillard que vous voyez ici, lié d'une part au dioxyde de soufre, parce qu'à l'époque, là, c'était de l'essence où il y avait du soufre qui était utilisé, et les fumées noires. Alors, soufre à cause de l'essence, essentiellement, dioxyde de soufre. Maintenant, ça n'est quasiment plus un polluant qui pose problème, parce qu'on a retiré, justement, on a modifié la composition. Et les fumées noires, c'était essentiellement parce que les Londoniens se chauffaient au charbon. Et donc, cette association a été un déclic, hein, qui a fait qu'on a commencé à faire des études épidémiologiques. Je vous en présente une, mais vous allez avoir des présentations d'études épidémiologiques tout à l'heure, donc je ne vais pas plus loin. Et une des premières, hein, par les Américains donc de Harvard, qui, dans le cadre d'une grande cohorte de l'American Cancer Society,
sur 500 000 sujets âgés de plus de 30 ans, suivis pendant 16 ans, ils ont montré que l'augmentation de 10 microgrammes mètre cube du niveau de PM2.5 était associée à une augmentation du risque de décès, toute cause de 6%, pour cause cardio-pulmonaire de 9% et pour cancer du poumon, 8%. Depuis, beaucoup plus récemment, puisque ça date de quelques années seulement, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la pollution atmosphérique et les particules diesel, on va le revoir, comme cancérigènes certains dans le groupe 1. Mais les premières études, vous voyez, qui datent du début du 21e siècle, allaient dans ce sens. Une étude que vous allez peut-être aussi revoir, et dont donc Gilles a parlé tout à l'heure, l'étude AFICOM, qui a été coordonnée par Sylvia Medina de l'Institut de veille sanitaire devenu Santé publique France, et qui a également d'ailleurs présenté au début de la semaine dernière la dernière étude réalisée en France, là mais pas au niveau européen, mais en France, sur l'impact de la pollution de l'air sur la mortalité. Or, cette étude a été très importante parce qu'elle a permis de prendre conscience à quel point la pollution de l'air avait un effet délétère sur la santé des populations européennes. C'était donc un consortium européen qui a pris en charge cette étude AFECOM en mesurant le gain d'espérance de vie qui pouvait être obtenu si le niveau des polluants atmosphériques étaient ceux des valeurs guides de l'OMS. Et là, c'est ce qui concerne les PM2.5. La valeur guide OMS est de 10 microgrammes mètre cube, c'est celle qui a été évoquée tout à l'heure, alors que la valeur guide qui est devenue contraignante depuis que la mesure des PM2.5 est obligatoire en Europe, c'est 25 microgrammes mètre cube. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence entre ce que propose l'OMS et ce que propose l'Europe après moult discussions. Et on voit, alors, c'est en fonction des villes, ce sont les villes qui ont été analysées dans cette étude, qu'il y a donc, vous voyez, la valeur guide, c'est la ligne qui apparaît ici, avec tout ce qui est en dessous, au niveau de la gauche, en jaune, et bien, c'est ce qui devrait donc se faire, s'il y avait donc on a une application de cette valeur guide dans toutes ces villes, mais on voit que tout ce qui est en rouge au-dessus, eh bien, ce sont les pertes d'espérance de vie dans ces différentes régions. C'est le graphique qui se trouve vers donc du côté droit de cette diapositive. Et par exemple, dans une ville comme Bucarest, on a une perte d'espérance de vie à 30 ans de 22 mois, alors qu'à Stockholm, où on a le bon niveau des 10 microgrammes mètre cube sur l'année, eh bien, le niveau moyen, eh bien, là, on n'a pas de perte d'espérance de vie. Donc, tout un gradient qui montre qu'il faudrait effectivement réussir à faire ce qui a été fait en France, diminuer la concentration en PM2.5. Alors, ensuite, ce qui a été calculé, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le nombre de décès annuels dans les 25 villes de l'étude. Et en particulier, ce qui a été montré là, c'est que les décès étaient essentiellement par risque cardiovasculaire, hein, plus que par risque pulmonaire. Et aussi, bon, le fait qu'on pouvait gagner 31 milliards d'euros d'économie par an si on arrivait effectivement au niveau, donc à la valeur guide de l'OMS de 10 microgrammes par mètre cube, hein, en moyenne sur l'année. Alors, dans l'étude qui a été réalisée, là, donc, qui vient de sortir, de Santé publique France, on a montré aussi qu'il y avait une diminution, mais pas suffisante encore, des décès, puisque une première étude avait été réalisée en 2007-2008, celle qu'on entend reprendre très fréquemment dans les médias, qui donnait 48 000 décès anticipés par an,
donc 9% de la mortalité totale associée au PM2.5, et dans la dernière étude qui vient d'être publiée, donc en 2021, que vous pouvez retrouver comme l'autre d'ailleurs sur le site de Santé publique France, on trouve quand même une diminution qui n'est peut-être pas énorme, mais quand même une diminution, et seulement 7% de mortalité totale. Seulement, c'est encore beaucoup, beaucoup trop, ce qui veut dire qu'il faut continuer les efforts pour diminuer cette pollution aux particules fines. Alors, qu'est-ce que sont ces particules? Là, on en a parlé beaucoup tout à l'heure pour leur composition. Ici, ce sont des images qui ont été prises au microscope électronique à balayage dans le cadre d'une étude réalisée il y a une quinzaine d'années au laboratoire, avec Air Paris d'ailleurs, et où on voit qu'il s'agit de grappes, hein, de toutes petites particules associées de taille nanométrique, et ces particules forment ensuite, s'associent, s'agrègent les unes avec les autres, forment des agglomérats qui peuvent atteindre donc des tailles allant jusqu'au micromètre, alors que les particules élémentaires, elles, sont de taille nanométrique, hein, entre 10 nanomètres et 80 nanomètres. Et donc, elles sont composées au centre d'un cœur carboné, et puis vous avez en surface toutes ces molécules organiques qui ont été évoquées par Gilles tout à l'heure. Mais dans l'atmosphère, elles vont rencontrer aussi des composés organiques, autres, des métaux, elles peuvent aussi à être associés à des endotoxines bactériennes, à des allergènes, et on s'est posé la question, dont je reparlerai tout à l'heure, d'une association avec le virus SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, association qui pour le moment n'a absolument pas été prouvée, même si on va voir qu'il y a eu effectivement des preuves d'une aggravation de la maladie quand il y a une pollution atmosphérique forte en PM2.5. Alors, quelles sont les propriétés des particules qui sont impliquées dans leurs effets biologiques? Leur taille, qui va donc être associée à leur pénétration, leur déposition, les capacités d'épuration de l'appareil respiratoire et leur rétention dans l'appareil respiratoire. Et donc, la réactivité de surface, qui a été aussi évoquée tout à l'heure, leur composition bien évidemment, et qui va varier bien sûr d'un endroit à l'autre en fonction de leur transport dans l'atmosphère. Et ce qui a été montré, on le sait depuis longtemps, c'est qu'en fonction de la taille, effectivement, ces particules se déposent différemment dans l'appareil respiratoire. Alors ici, il s'agit de modélisation à partir d'études réelles qui se sont faites en particulier chez l'homme pour pouvoir savoir comment se répartissaient en fonction de la taille ces particules. Ce qu'on sait, c'est que les nanoparticules les plus petites, elles vont rester au niveau nasal, hein, donc parce qu'elles n'ont quasiment pas de masse et par effet brownien, donc elles restent à ce niveau nasal. Dès que les particules sont un peu plus en taille de l'ordre des particules fines et ultra fines que nous donc étudions là dans le cadre de ces études, eh bien on a ici le diamètre qui se situe entre 1 et 1 micron et jusqu'à disons une dizaine de nanomètres qui peut se déposer au niveau trachéobronchial. Et puis, les particules qui sont de taille, disons, ultra fine et ultra fine également, se déposent au niveau alvéolaire. Donc, celles qui sont situées au-dessous du micromètre vont jusqu'au niveau alvéolaire. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur ces échanges au niveau alvéolaire, pour comprendre ce qui se passait, ainsi qu'au niveau trachéobronchique. Alors, on a des mécanismes de protection pour permettre d'évacuer ces particules. Ces mécanismes sont au niveau à partir du pharynx jusqu'au niveau des bronches et des bronchioles, le transport mucociliaire. Les particules se déposent au niveau du mucus et puis elles vont ensuite être éliminées à condition qu'il y ait des concentrations en particules qui ne soient pas trop importantes. Elles vont être éliminées par un mouvement régulier des cils de bas en haut et donc elles vont être ainsi évacuées.
quand il y a concentration en particules dans l'atmosphère, eh bien ce système ne fonctionne plus très bien. Ou bien si vous avez, si par hasard donc la personne est atteinte d'asthme ou de bronchite chronique, eh bien à ce moment-là, il va y avoir une sédimentation et donc les particules peuvent s'accumuler dans la muqueuse bronchique. Au niveau alvéolaire, c'est le système des macrophages qui en fait permet l'élimination des particules. Et quand c'est donc il y a cette accumulation des particules au niveau donc des muqueuses respiratoires, que la muqueuse bronchique, et ça se passe au niveau alvéolaire également avec un système d'élimination que j'évoquais tout à l'heure avec les macrophages, et bien comme Gilles l'a dit tout à l'heure, il y a des mécanismes de redox qui se mettent en place, la production d'espèces activées de l'oxygène, qui va avoir pour conséquence, et on l'a montré au laboratoire ainsi que d'ailleurs dans le cadre des réseaux dans lesquels on travaillait au niveau européen, au niveau international, la production de cytokines pro-inflammatoires, aussi bien d'ailleurs au niveau, et donc, au niveau de la lumière des voies aériennes qu'au niveau basal. Et ces cytokines sont l'IL-6, le TNF-alpha, l'IL-8, le GM-CSF qui donc font partie des pro-inflammatoires qui vont ensuite être à l'origine de l'activation et de l'arrivée des macrophages, des neutrophiles, donc qui sont les marqueurs de l'inflammation respiratoire. Et donc ceci, et on le sait depuis longtemps, cette inflammation pulmonaire, et quand elle est chronique en particulier, peut conduire à des maladies cardiovasculaires, l'asthme, la bronchite chronique, et également être impliquée dans les terminismes du cancer, hein, des cancers. Donc, des mécanismes associés aux particules fines qu'on connaît depuis une bonne quinzaine d'années, et qui ont permis ensuite, effectivement, de conduire à au fait qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour diminuer l'impact de ces particules donc dans l'atmosphère des villes en particulier, mais aussi on a montré qu'en zone rurale, il y avait problème. Alors, autre question qui a, enfin, autre point qui a été mis en avant ces dernières années, en ce qui concerne ces particules, c'est qu'elles sont capables de franchir la barrière alvéolo-capillaire, et ce qui peut expliquer en une part tout au moins de leurs effets au niveau de l'appareil cardiaque, en fait au niveau cardiaque, puisqu'on a vu qu'il y avait des effets qui étaient associés aux maladies cardiovasculaires. Et donc elles s'entourent de surfactants au niveau alvéolaire, et ensuite elles vont franchir la barrière pour se retrouver au niveau sanguin et se répartir dans tous les, donc là, à travers le sang, tous les organes. Et ces dernières années, on a montré qu'il pouvait y avoir des accumulations de particules fines au niveau cardiaque, au niveau du foie, au niveau des reins, et même des passages de barrières autres que la barrière alvéolo-capillaire, puisqu'on a pu montrer qu'il retrouvait des particules fines dans le fœtus, donc il y a possibilité de passage de la barrière, donc de la barrière placentaire. Et de plus, le problème de ces particules, c'est qu'elles sont persistantes au niveau donc, du poumon, et ça a été montré déjà dès 2003, vous voyez, dans une publication d'une équipe de Vancouver, qui en comparant l'exposition à des particules à Vancouver et à Mexico, a montré qu'il y avait 10 fois plus de particules dans des poumons post-mortem de femmes qui n'avaient pas été du tout exposées à autre chose que la pollution atmosphérique, a priori, tout au moins, et en tout cas pas au tabac. Et on trouvait donc cette accumulation de particules dans le parenchyme pulmonaire, et 10 fois plus de particules à Mexico qu'à Vancouver, avec en plus des transformations au niveau, un épaississement au niveau bronchique, et qui faisait penser à un développement de en fait un développement de BPCO, c'est-à-dire de bronchite chronique.
Alors, bon, les mécanismes de cancérogénèse, on les a surtout montrés en ce qui concerne les particules diesel, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les particules, la pollution atmosphérique est aussi classée dans le groupe 1 par le CIRC, par le Centre international de recherche sur le cancer, avec des mécanismes qui sont à la fois génétiques et épigénétiques. Bien, maintenant, je vais vous évoquer la question de cette relation qui a été mise en avant ces derniers mois entre la pollution atmosphérique au PM2.5 et la COVID-19. Pourquoi ça? Eh bien, c'est associé en fait à des études qui ont été tout d'abord réalisées en Chine, dans la région de Wuhan, qui ont montré une coïncidence assez troublante entre le niveau de pollution par les particules, les PM2.5. C'est l'image que vous avez, les cartes que vous avez à droite, donc au mois de décembre, en décembre 2019, dans la région de Wuhan, Pékin, et donc quelques mois plus tard, eh bien, le fait qu'il y avait une quantité de cas de COVID-19 beaucoup plus élevé que dans le reste de la Chine, dans cette zone particulièrement polluée. Alors, qui dit association ne dit pas causalité, hein. De sorte que, même si ça a été publié assez rapidement, cette première, vision d'une association possible entre pollution atmosphérique et gravité de l'épidémie COVID-19, ça ne prouvait pas qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas des biais. De sorte qu'il y a eu de nouvelles études, d'autres études qui ont été réalisées, mais en Lombardie, en fait, on a fait le même type de constat, hein, c'est-à-dire que c'est dans le nord de la Lombardie, la zone la plus polluée, qu'on a retrouvé le plus de cas de COVID-19, alors que dans le sud de dans le sud de l'Italie, eh bien, on avait beaucoup moins de cas. Donc les observations en Chine, les observations en Italie ont fait penser qu'il y avait peut-être une relation entre donc la pollution atmosphérique, le niveau de pollution atmosphérique et la gravité de l'épidémie. Alors bien sûr, ce sont en plus des zones particulièrement peuplées. Les études, les premières études n'étaient pas très rigoureuses. Et il a fallu attendre d'autres études, et j'en ai pris seulement une ici pour évoquer cette question de l'association entre particules, enfin disons pollution, et en particulier par les particules donc fines, les PM2.5, et l'épidémie. C'est une étude qui a été publiée aux États-Unis par donc les chercheurs, donc les épidémiologistes de Harvard, et qui montrait que ça n'était pas la pollution court terme qui était à l'origine de cette association, mais plutôt la pollution long terme, la pollution de fond, qui pouvait être à l'origine d'une, en fait, du fait que la population soit plus apte, en quelque sorte, à avoir une réaction forte à l'épidémie, au fait que le virus pouvait attaquer plus précisément des personnes qui avaient été exposées pendant une période longue à ces PM2.5. Alors, pourquoi ça? Eh bien, en fait, vous savez très bien que, parce que ça a été beaucoup donc présenté, et en particulier, là j'ai repris un schéma de l'hôpital Gustave Roussy, que la maladie COVID-19 est associée à une réaction inflammatoire au niveau du poumon. Quand elle est modérée, bon, elle se passe sans problème. Par contre, l'inflammation et l'infection sévère, à très sévère, est associé à ce qu'on appelait l'orage cytokinique. Et donc cet orage cytokinique, eh bien, il est lié à un excès de molécules qu'on a vu tout à l'heure, le TNF-alpha, l'IL-6, c'est-à-dire ces cytokines pro-inflammatoires qui sont aussi celles qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire
liée à la pollution par les particules, et en particulier les particules fines. Et ceci, donc, pouvant conduire à une détresse respiratoire, malheureusement, qu'on voit encore maintenant, et de façon très dramatique, en particulier, je pense, à ce qui se passe en Inde. Alors, la première hypothèse qui a été formulée pour expliquer pourquoi il y avait une coïncidence entre pollution atmosphérique et Covid-19, eh bien, c'est que l'association particules fines dans une région très polluée et coronavirus, eh bien, ça augmentait la réponse inflammatoire. Et sur des personnes ayant déjà donc un background inflammatoire des poumons, cette association pouvait conduire jusqu'à la détresse si les personnes ne sont pas capables, les individus, les malades, ne sont pas capables de lutter contre cette inflammation. Ça, c'était la première hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse que je trouve intéressante et qui est en ce moment qui est étudiée pour essayer de comprendre cette association, c'est qu'à travers des modèles animaux, il a été montré que les PM2.5 pouvaient augmenter l'expression du niveau du récepteur ACE2, qui est le récepteur permettant donc l'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules de l'appareil respiratoire, que ce soit essentiellement au niveau du nez, mais ça peut aller aussi jusqu'au niveau des alvéoles. Et selon cette surexpression d'ACE2 qui pourrait être observée dans les zones ayant une pollution chronique au PM2.5, eh bien selon ce niveau de surexpression, qui bien sûr est individu dépendante en quelque sorte, eh bien on pourrait avoir une Covid-19 sévère, symptomatique, voire asymptomatique. Et donc, une association entre le niveau d'expression d'ACE2 la pathologie, bien sûr. Et ceci en relation avec les PM2.5. Alors, cette hypothèse, pour le moment, n'est pas réellement démontrée, de sorte qu'il faudrait aller plus loin et avec des modèles expérimentaux, sans doute, pour essayer de voir si, effectivement, si cette hypothèse peut être conservée. Mais l'hypothèse précédente, celle de l'augmentation de l'inflammation en relation avec à la fois PM2.5 et SARS-CoV-2, elle me paraît tout à fait recevable et c'est celle qui est en général utilisée, reprise dans les publications. Alors, pour terminer, simplement, la pollution atmosphérique, elle est prise en compte de façon importante, je l'ai déjà évoqué, par les pouvoirs publics pour essayer de faire en sorte de la diminuer. Il y a une déréglementation de plus en plus sévère, les réglementations européennes, mais qui sont traduites au niveau du droit français, et pour les PM10 et PM2.5 en particulier, mais les autres gaz associés aussi à la pollution, tels que l'ozone et les oxydes d'azote, sont aussi fortement impliqués. On a du mal à diminuer d'ailleurs le niveau de l'oxyde d'azote actuellement. C'est le gros problème des véhicules diesel. Alors, le Haut Conseil de santé publique auquel j'appartiens est sollicité régulièrement pour faire en sorte de fournir au public, aux différents publics, des recommandations sanitaires adaptées en fonction justement de l'évolution de la réglementation. Et ces messages sanitaires, on les a donnés en 2010, mais on est en train de devoir les revoir à cause du changement de réglementation et du nouvel indice ACMO que j'évoquais tout à l'heure. Pour les PM2.5, les objectifs de qualité de l'air qu'on avait fournis en 2010 sont de 15 microgrammes par mètre cube, avec un seuil d'information de 30 microgrammes mètre cube, qui vise à dire aux populations, quand on arrive à ce niveau, qu'il faut qu'elles, quand elles sont fragiles, qu'elles fassent attention. Et puis ensuite, un seuil d'alerte qui va faire en sorte que les pouvoirs publics vont devoir agir
par exemple avec des interdictions de circulation dans certaines zones, de diminution de la vitesse de circulation, etc. Alors pour les PM2.5, c'est 50 microgrammes mètre cube. Vous voyez que les objectifs de qualité de l'air, nous les avions proposés à 15 microgrammes mètre cube, et elle a, donc au niveau de l'Union européenne, eh bien c'est 25 qui a été choisi parce que, eh bien, il a fallu entre les différents pays membres se mettre d'accord. Et bon, juste pour terminer, ces messages, eh bien, ils vont viser les populations sensibles, la population générale. Ce sont ceux qui sont diffusés régulièrement, hein, en fonction justement du niveau de pollution, et pour permettre donc en particulier aux personnes les plus fragiles de faire en sorte qu'elles soient donc protégées, hein, qu'elles se protègent elles-mêmes. Il y a aussi des messages qui vont vers les enseignants, vers les écoles, vers les EHPAD, vers les hôpitaux, etc. Et c'est ces messages qu'on nous demande de revoir justement en fonction des changements de réglementation qui viennent de se produire. Et donc je terminerai sur cette diapositive où on voit la Tour Eiffel un jour de forte pollution quand il faisait très beau, enfin c'était il y a quelques années, il fait très beau, mais malheureusement avec un niveau à la fois de particules et d'ozone dans l'air qui donne ce brouillard photochimique que vous voyez. Merci de votre attention.